Effectivement, la question qu'il faut se poser concernant le titre de cet ouvrage, qui est un titre, disons-le, assez provocateur. Tous les travaux qui ont porté sur l'Afrique, disons l'Afrique postcoloniale, ont surtout insisté sur la dimension positive de l'avenir de l'Afrique. En dehors de cet ouvrage des années 60 de René Dumont, L'Afrique est mal partie, et de quelques ouvrages des journalistes, il y a des travaux, notamment dans les sciences humaines et sociales, en anthropologie notamment, moins dans la littérature, parce qu'avec des gens comme Sonny Labutansi, ou avec, oui, L'État honteux et autres. Les sciences humaines ont tout fait pour donner de l'Afrique une idée positive, et elles ont raison. Elles réagissaient face à la manière dont l'Afrique a été traitée pendant la colonisation et face à l'invention de l'Afrique, comme le dit Moudimbé. Et donc, il y a une espèce de volontarisme à penser l'Afrique de manière positive. Je ne pense pas l'Afrique de manière négative. Ce que je fais avec ce titre, Afrodystopie, en quoi et pourquoi l'Afrique est une dystopie, c'est par rapport d'abord à ma formation. Je suis anthropologue et sociologue. Sociologue de formation qui est devenu anthropologue du fait du travail de terrain et de la manière dont j'oriente mon travail. Et qu'est-ce que je constate sur le terrain? Ce que je constate sur le terrain, c'est que l'optimisme, bien entendu, le volontarisme vont de pair avec des aspects qui sont difficiles à vivre. Il y a la grande majorité de la population africaine, et notamment du bassin du Congo, du Gabon, du Congo, du Cameroun, des deux Congos, je veux dire, ces populations sont dans des situations que moi je partage avec elles et qui ne sont pas des situations heureuses. Et je constate que ces situations amènent les gens à penser elles-mêmes, eux-mêmes, les populations pensent elles-mêmes qu'il y a une meilleure façon pour eux de vivre et que leur vie dans l'état actuel n'est pas une vie désirable. Et mon travail de terrain m'a conduit à penser donc la dystopie. Pourquoi la dystopie? Parce que tout simplement, depuis un certain temps, notamment par exemple avec le tout récent ouvrage de Félouine Sarr, Afrotopia, hein, on pense l'utopie africaine de manière très positive, bien entendu, combattre tous les clichés, tous les éléments qui noircissent le tableau de l'Afrique. Et c'est une perspective tout à fait pertinente, tout à fait louable. Et évidemment, je n'écris pas Afrodystopie contre le livre de Félouine Sarr. C'est juste que je suis, comme je l'ai dit, anthropologue et sociologue, et en tant que tel, je m'intéresse à l'état de la société telle qu'elle fonctionne. Et cet état, je le lis à travers les interviews, des enquêtes que je réalise auprès des gens que j'interroge, et le discours que ces gens me tiennent n'est pas un discours. Il est utopique dans le sens où il voudrait que ça change. Mais l'utopie, n'oublions pas que l'utopie, telle qu'elle avait été pensée par quand même celui qui a écrit tout un livre dont le titre est Utopia, c'est-à-dire Thomas More, c'est le lieu du bonheur, mais de nulle part. C'est ça l'utopie, c'est ça la définition de l'utopie. Le lieu du bonheur, mais de nulle part. Alors, disant ainsi les choses, on voit déjà que c'est une impossibilité.
Et à partir de là, je constate que ce que disent justement les populations, celles que j'enquête, auprès desquelles je mets des enquêtes, c'est cette utopie qui, pour elles, c'est le lieu du bonheur, mais qui est ailleurs, qui n'est pas sur le lieu où elles vivent. Et elles s'imaginent qu'il y a des mondes meilleurs, peut-être de demain, mais c'est surtout dans le domaine religieux, dans la religion, où on projette le meilleur dans l'au-delà, c'est-à-dire au ciel, devant, autour, avec Dieu, etc., etc. Et je pense que c'est un symptôme très, très fort de la réalité du quotidien qui est difficile à vivre. Il est difficile de se soigner en Afrique, malgré les énormes, je veux dire, dans le bassin du Congo, où il y a une concentration extraordinaire de richesses, du sol et du sous-sol, où les gens, la grande majorité de la population a du mal à scolariser ses enfants, je veux dire, à payer des études, parce que le système éducatif va se dégradant depuis des années. On a du mal à se soigner. Il y a même, et c'est ça qui est intéressant, des légendes urbaines qui ont une forte prégnance dans la vie quotidienne, qui font état des dispensaires, des hôpitaux, qui sont des mouroirs. Aller dans un hôpital, à certains hôpitaux que je ne citerai pas, c'est comme si on allait volontairement se donner en sacrifice, que l'on sera sacrifié au profit des puissants. Alors, ce genre de discours, ce sont des discours qui m'ont amené à penser la dystopie africaine. Parce que la dystopie, c'est telle qu'elle a été pensée par exemple par George Orwell. C'est quand il écrit le livre en 1948 et qu'il renverse les chiffres pour donner 1984. Mais 1984, maintenant, c'est notre passé. Nous sommes en 2021 et c'était une projection. Mais on se rend compte que cette projection est rentré dans le registre du mythe, c'est-à-dire ou de l'histoire du passé. Mais ce que je constate, c'est que aujourd'hui, la dystopie n'est plus pensable, en tout cas, la dystopie africaine n'est plus pensable dans le futur, elle est le réel de la vie quotidienne. Et donc, l'afro-dystopie, c'est la vie dystopique africaine dans le présent. Le néocolonialisme signifie un État qui est là, mais dont les politiques sont dictées de l'extérieur et qui reconduirait de ce fait la situation coloniale qui se reproduirait dans la situation que l'on dit postcoloniale, mais que l'on peut dire aussi néocoloniale. On peut dire que ça va dans ce sens, sauf que les travaux critiques de la critique néocoloniale ou de la critique postcoloniale ne portent pas précisément sur l'objet qui est le mien. Mon objet, c'est la vie psychique. Mon objet, c'est la vie psychique de la colonisation, c'est la vie psychique de l'esclavage ou de la traite, c'est la vie psychique du néocolonialisme aujourd'hui et de l'impérialisme, du néolibéralisme actuellement sur ce qu'on appelle le continent noir, qui n'a aucune localisation sur une map monde. Si vous regardez sur une map monde, il n'y a aucun continent qui s'appelle le continent noir. C'est exactement ce que, du point de vue comparatif, c'est l'utopie de Thomas More qui n'est localisable sur aucune carte. L'utopie, c'est le lieu du bonheur, mais de nulle part. Le continent noir, c'est le lieu du bonheur pour certains et du grand malheur pour d'autres, et qui n'est localisable, qui n'a pas de limite. C'est-à-dire le continent noir, on pense qu'il serait en Afrique et que ça serait précisément l'Afrique subsaharienne. Mais non, le continent noir est porté et visible
par des gens qui ont un signe. Et ce signe est le signe de la peau. Et je vais ajouter un fait assez anecdotique, mais qui est révélateur. Vous savez, ce qu'on appelle les Africains, je suis censé être africain. Ok. Mais les vrais Africains, les Africains authentiques, ce ne sont ni mes arrière-grands-parents, mes ancêtres, ce ne sont pas, c'est pas mes contemporains, quel que soit le phénotype. Les Africains authentiques sont ceux-là qui se sont auto-désignés comme tels, qui s'appellent Africains. Et il y en a deux seulement sur le continent. Les authentiques et ceux qui ont voulu faire sur le plan analogique comme eux. Les authentiques africains, ce sont les Afrikaners. Ce sont des Euro-descendants qui se sont installés sur ce continent et qui parlent une langue qu'on appelle la langue africaine. C'est les seuls sur le continent qui s'auto-désignent africains et qui parlent une langue qui s'appelle l'africaine. Sur tout le reste du continent et peut-être sur le continent noir, je ne connais que la République centrafricaine, qui s'est auto-désignée comme telle sous l'impulsion de Barthélemy Bouganda. Mais la langue nationale, c'est le sango, ce n'est pas l'africaine. Et Boganda, il ne peut pas se comparer à celui qui a créé l'Afrique du Sud. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué cette situation. Donc, la critique que je fais, c'est la critique de la vie psychique de l'apartheid, par exemple, l'africanaire renvoie à la vie psychique de l'apartheid en République sud-africaine. Les pays, les sociétés du bassin du Congo et même de l'Afrique de l'Ouest sont marquées par cette vie psychique de ce qu'on peut considérer comme étant des abstractions, mais qui sont des réalités historiques, des réalités sociales, des réalités économiques, des réalités politiques que sont le néocolonialisme, que sont l'impérialisme, que sont le néolibéralisme. Et donc, cette vie psychique, vous comprendrez maintenant le lien que je fais avec le sous-titre de mon livre, La vie dans le rêve d'autrui. Évidemment, le rêve, c'est l'activité psychique involontaire durant le sommeil. C'est ça, le rêve. Et donc, pendant le rêve, toute cette histoire incorporée, toute cette histoire des institutions, des structures qui vit à l'intérieur de la psyché des sociétés, eh bien, on la vit dans les rêves. On la vit dans les rêves. Ces rêves sont aussi bien des désirs que des cauchemars. Et dans le rêve, chacun peut faire l'expérience, se souvenir que dans les rêves, on rencontre des morts. Un mort de la famille, un ami mort depuis 20 ans, 50 ans, pour moi qui ai plus de 50 ans, bah, je peux le rencontrer dans un rêve et discuter avec lui comme s'il était encore vivant. Et c'est ça la vie psychique de ces abstractions qui ont marqué, qui se sont, qui ont marqué, qui constituent le substrat psychique des sociétés africaines, qui me distingue de la critique néocoloniale commune, qui est une critique importante. Et donc, c'est sur le terrain que j'ai découvert la réalité et de cette vie psychique à partir d'un phénomène, mais vraiment intime, que vivent les gens en Afrique.